bien. C'est reparti. Salut tout le monde. On a rebranché le micro cette fois-ci. On ne sait pas trop exactement comment ça va se passer. Est-ce qu'on va avancer dans le scénario? Est-ce qu'on aura le temps? Ou est-ce qu'on va faire uniquement des missions secondaires? Vu qu'après on va enchaîner un peu sur le dernier tiers du jeu. Que c'est à nouveau un moment de pause, après tout ce qui s'est passé la dernière fois. Qu'on a une nouvelle quête que nous a donnée Akame. Et que ce serait bien qu'on termine un maximum de quêtes pour pouvoir monter de niveau. Ce serait pas mal, améliorer les aptitudes. Je pourrais en acheter certaines, mais ce que j'aimerais acheter à chaque fois, c'est beaucoup plus de santé. Un dernier boost attaque. Voilà. Un dernier boost attaque pour passer au boost attaque Kiwami. Ce qui serait le niveau le plus élevé. Et puis pour le mode ferveur extrême. Voilà aussi, en terminé pour avoir le stade ultime. À augmenter l'équipement utilisable. Je peux développer et débloquer surtout le dernier slot. Histoire que ça me rende encore plus résistant et encore plus puissant. Je vois déjà ce que je pourrais rajouter. Sachant que l'un des meilleurs éléments pour la défense et l'attaque coûte 9 millions de yens. Et que là on n'y est pas du tout. Donc comme ils mettent, pas assez d'argent, oui. Oui, on a compris, pas assez d'argent, donc il faut qu'on en gagne. Donc pour l'instant, apparemment il s'est passé quelque chose chez notre marchand d'armes de contrebande. Et donc on va y aller. Alors je crois que maintenant, depuis ce qu'on a fait la dernière fois, on peut se téléporter directement, faire un voyage rapide. Je vais voir si c'est le cas. Ouais, là j'ai mis un marqueur, mais d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on entend par voyage rapide, très exactement? Bon. écoutez, pas trop compris. Bon, c'est pas grave, on va y aller. Écoutez, je chercherai plus tard, ça n'a aucune importance, tout simplement parce qu'il nous faut bien rencontrer quelques voyous. Pour nous faire de la thune. Bon, j'ai pas appuyé là. C'est pas trop grave, on peut se les faire un par un tout gentiment. Eh ben je les enchaîne aujourd'hui là. Bon. Parce que quand même, j'ai augmenté déjà un petit peu de puissance à la fin des quêtes de la dernière fois. Oh. Ah, les mecs au taser, ils commencent à me faire suer. Il est temps qu'on s'explique. Il faudrait que j'achète quelques combos aussi, parce que depuis le départ, je me bats toujours un peu de la même façon. Ça me réussit assez bien, mais jusqu'à quand?
Faites rentrer la maille. Il me faut beaucoup d'argent. On l'a compris. Donc voilà. Je suis pas beaucoup apesanti sur les jeux. On a été faire 2-3 trucs. Je suis pas retourné voir mon hôtesse préférée, etc. C'est pas de l'argent très très bien placé pour l'instant. Je pense qu'il y aura moyen de continuer librement la partie. Ah mais ça c'est la planque des autres, ça c'est pour là. Comment? Attendez, je crois que je me suis gouré. Ah oui alors. On va ressortir. Je crois que c'est à peu près au même endroit. Ah ouais, c'est là. Pas du tout. Ça ressemble, mais c'est pas du tout là, en fait. Bon, ça m'aura permis de récupérer cette chose. L'assiette en argent, elle vaut pas tripette. Je me suis pas du tout arrêté au bon endroit. Il y a des éléments que je n'ai pas trouvé pour aider les sans-abri, mais... Putain, ils sont encore là, eux. Ah, ils m'ont suivi jusque-là. Pas dégoûté, les gars. Il faudrait que j'arrête d'oublier de bloquer, parce que comme le combat est quand même assez facile, j'ai tendance à oublier de bloquer, et la vie finit par descendre, évidemment, petit à petit. Fasse attention. Bon, allez, allons-y. À ce coup-ci... Oh! Là par exemple, c'était pas terrible. Ça a été un combat facile, mais j'aurais pu le mener de manière plus satisfaisante. Voilà, c'est là, je me cours tout le temps d'entrée. Alors, il y a eu du rififi. Oula, mon pote! Oh là là! Ah oui, il est par terre carrément. Chaud. Ah. Oui, c'est terrible. On va casser. Ils lui ont piqué tous ses... ces gadgets, tout son matos. Retourner au Colisée maintenant, alors que je me suis échappé de justesse. Ok. Bon, on va rester dans le coin.
aider ces pauvres malheureux. Le fameux parc. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Foutez-moi la paix. Oh, puis il y en a d'autres là-bas. Ça ressemblait un peu plus à un bon combat, ça. Donc. Par contre, ceux qui sont au parc, ils vont sûrement être un tout petit peu plus forts. Du fait qu'ils ont piqué les gadgets que je n'utilise jamais, à dire vrai. Je les ai aussi, mais bon. Et voilà. Allô. Ça, c'est des potes à lui, ça. Ah, c'est pour m'attirer. C'est tout. Yoroshiku. Eh ben, ma foi. Si c'est ce que tu veux. Les autres sont là aussi ? Ah ouais, ça me rappelle un truc. Bon, ben voilà. Hein. Des gars et un boss. Ah ben, c'est pas grave. Surveiller la vie. Ouais. Patriarche est un petit peu chaud, oui. Oula! Ah ouais, d'accord. On va se soigner parce que je trouve ma vie un peu basse. On va utiliser un truc facile à racheter. Bah tiens, d'ailleurs, j'ai pas été en racheter assez, donc c'est un peu dommage. Catégorie.
Merde. Et moi je peux pas les utiliser les miens. Alors, on va se re-soigner un petit peu. Et puis une petite ferveur là. La ferveur ne peut pas se remplir en mode ferveur extrême. Ah bon? D'accord. Les contrôles pour éviter l'adversaire sont vraiment pas terribles. Parce que le bouton droit avec le bouton A, on n'a vraiment pas beaucoup de marge sur la manette pour s'en servir. Mais bon, je n'ai pas eu besoin de faire autre chose que de me soigner. Ouais. Donc c'est bon. Allez, à boule le pognon, rembourse ce que tu as fait. Il est relou un peu celui-là. Nani. On n'en avait pas une, nous aussi, comme ça, de cigarettes explosives. Je me souviens plus. Il me semble qu'on en avait une. Allez, voilà. Celle du bureau de tabac. Ouais. Bon, je suis pas fait que des copains. Gadget. Ben oui. Parfait. C'est exactement ce que je comptais faire. Tu seras plus près de moi. Donation. Régulièrement, je vais sûrement tomber sur un de ces mecs-là. Ça fera des mobs réguliers. Bon, j'aurais bien fait des missions un petit peu plus rapides. Oula, mais qu'est-ce qu'il me raconte? On se calme, Mizorogi. Oh. D'accord. Bon, est-ce que ça m'a rapporté des trucs, moi? Parce que c'est ça que je veux savoir. Mmh.
Oui, bah on peut s'en occuper tout de suite si tu veux. Soleja, tanomua. Alors. Ouais, on peut se reposer, mais on pourrait surtout aller faire une autre mission, mes amis. Ah, 1 000 000 quelque chose là, c'est bien. Et plein de points. Alors, 1 400 000. 1 400 000, ça va pas suffire. C'est combien pour le dernier truc là? C'est 3 millions. Bon, ça, je le veux en priorité. Je suis à la moitié. Donc, je vais aller faire des missions pour Akame. Alors. C'est pas de cadeau. En plus, il faut arriver au niveau 20. Je sais pas comment je peux retourner au Colisée alors que j'ai cassé la figure à tout le monde, y compris au grand chef du Colisée. Donc, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'elle vend des choses intéressantes? Alors, le gilet pare-balles militaire, j'en ai déjà. Hein. Si j'ajoute ses capacités à l'autre, ça pourrait être pas mal. Ça serait une opportunité. Les assiettes, il faut que je les vende pour m'en débarrasser. Bon, ça je prends. Voilà. Sa boutique, elle est pas terrible. Si j'investis. Encore de meilleurs objets. J'aimerais bien, ouais. Alors, je dépensais 150 000. Voilà. Il y a déjà les nouveaux objets qui sont arrivés ou pas. Ouh, le talisman est d'enfer. Attaque, ça me rajoutera 260, la défense 580. Et ça ne coûte que 800 points. Saignement et étourdissement, c'est pas mal non plus, mais l'attaque et la défense, c'est trop bas. Et ben, je vais acheter ce talisman. Je ne peux pas utiliser pour l'instant. Quoique, je vais vérifier. Parce que là, vraiment, ça coûtait à rien, quoi. Ça. Voilà. Voilà, ça suffit maintenant. Ouais, je vais d'abord essayer ça au niveau de l'équipement. Donc, supposons. Je remplace ça par le talisman sanglant. Non, c'est pas une bonne idée. Supposons que je remplace ça. Oh non, le talisman sanglant, il y avait un moins encore. Vous allez, c'était un moins quelque chose, c'était pas un plus. Oh, je me suis encore fait avoir. Je me suis encore fait avoir. Comme la première fois. Oh punaise, mais comment on peut être aussi bête? Bon, enfin, ça coûtait pas grand chose. C'est pas grave, j'essaierai de le revendre. Oh là 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 là. Ça pourrait pas être en rouge quand c'est moins et en vert quand c'est plus, comme dans tous les RPG ou presque. C'est chiant ça. C'est écrit en tout petit. Allez hop. Bon, allez, je veux un truc qui rapporte bonbons. Le fantôme. Voilà. Ça, c'est pour moi. On y va. Ces quêtes-là sont un peu plus longues. Mais justement. Anna, j'ai le temps, il se trouve. Hmm.
Eraikotcha. Nani. Encore. Décidément. Il aime bien cet ancien personnage. Ah. Tanomu wa. Honma ni? Iya. Anna? Alors, qui c'est qu'on va aller voir en premier? On va faire le tour des témoins. Ciao. Ah, elle est pas contente, elle a pas eu son petit cadeau, la dame. Écoute-toi. Toujours un peu loufoque. Anna? Nani? Ok. Si on peut toujours pas se téléporter, ben on va faire à l'ancienne. On gagnera de l'argent en cours de route, et puis voilà, on va pas se faire suer. Par contre, on va placer un marqueur. Ah ouais, d'accord, il est là-bas. Il n'y a pas de... Ou alors c'est parce qu'il y a des taxis maintenant, c'est ça? D'accord. Alors, comment ça s'appelle ce point-là? Ah bah oui, Santobori. Santobori Est, évidemment. Voilà, ça doit vouloir dire ça, en fait, qu'on peut utiliser les... Je suis pas forcément contre. On va laisser passer le groupe. Parce que là, vraiment, pour le coup, c'est à l'autre bout de la ville. Donc, si je pouvais utiliser un moyen de transport plus rapide de temps en temps, ça serait pas mal. Ah oui, c'est vrai que c'est payant, évidemment. Alors, on veut aller... sans... Tambori Est. Voilà. Oh, c'est pas trop cher. Le voyage rapide, c'est comme ça, d'accord, ok. Lana. Cherche aussi. Ah. Oh. Un adepte du jujitsu. Ça lui a fait du bien par où ça passe. Faudrait que je me soigne quand même un peu. C'est jamais sur qui on peut tomber. Ouais. Passe, on oublie même les Yakuza d'exception. Les Yakuza cultes. Déjà? Nani? Ah.
Yeah. C'est pas le vrai, ça c'est sûr. Bon, soignons-nous avant de le regretter. Bon, ça j'en ai 10. Autant puiser un peu dedans plutôt que dans les gros. Toujours cette commande. Toujours cette commande à la con. Quand tu tournes autour, voilà, quand ça passe, évidemment, c'est tout de suite vite plié. Mais je trouve que les touches ne sont pas placées au bon endroit. Nani. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Une arnaque à lapin. Nani. Bon, témoin suivant. Oh les gars, vous abusez. Shofukucho Sud. Ok. Bon, voilà. Allons-y. Pas exagérer les mecs. Alors, quel est le rigolo qui m'attend cette fois-ci? Voilà l'arnaqueuse. Oh. On ne voit pas bien, mais bon. Donc le gars, il va avoir un katana. Il va falloir faire attention. Ah, chambre d'hôtel, ça ?
ふざけんなよ。何？Non, ce n'est pas lui. Oh, fille dévergondée. Oh. Ah, c'est ça. Alors, à moins qu'il ait une deuxième forme, une deuxième phase, lui, ou qu'on affronte la fille, lui, c'est une daube. Il est nul, lui. Non, a priori, c'est pas elle. Ok, bon, ben là, c'était vite réglé. Ouais. Il est possible que ça tourne au carnage. Ça pose un problème. Bon. C'est pas très loin. Ça va faire du bien quand la paye elle va tomber là. Hein. Ça sera parfait. Par où on passe? Évidemment. Le shogi, ça sera pour une autre fois. A priori, je vais pouvoir les éviter. C'est le parc. Pendant qu'ils sont ailleurs. Non. Hop. Bah oui, on y va. On va castagner quelques gars. Avec un peu de chance, ce sera. Oh. Les derniers. Ouais. Hein? Yeah.
Ah. La pente est rude, la route est droite. Ouais. Yeah. Ok. Yeah. Des héritiers spirituels. Ce sont les instigateurs, donc. Ça les occupe, hein, ces histoires de Yakuza. On va essayer d'attraper du mobilier là pour changer. Mmh. Ah. Ça oui, ça pourrait être un bon message, mais à mon avis, ça va pas se passer comme ça. Ah. Déjà fini. Ah mais il y en a un qui me tire dessus pendant ce temps-là. Putain. Soigner un peu. Normalement, je n'aurais pas particulièrement besoin, mais ça va le faire. Et voilà. Une bonne petite ferveur. Bien placée et c'est réglé. Ben voilà. Vous voyez qu'on peut s'entendre. Oh, nous allons quitter la ville. Ayez pitié de nous. Ah, mais quelle bande de... Quelle bande de lâches. Excellent. Toujours moyen de se marrer avec un petit Yakuza. Un petit Like a Dragon. Toujours moyen. Et ne revenez jamais. Voilà. Revenez jamais. Bon, bah vu qu'apparemment ils étaient derrière tout ça, je pense que j'ai fini, sauf rebondissement. Yeah.
Comme quoi l'estime et le respect pour les ennemis, ça fait aussi partie de l'histoire des anciens ennemis. Les morts célèbres doivent se serrer les coudes. Et voilà. Ouh, j'ai gagné du poignon là. Allez, en route vers les 3 millions là, ça va être important. Retournez voir Akame. Ok. Ouais, c'est pas très loin. Je vais peut-être faire une autre mission. J'ai encore besoin de pognon. Je crois que je vais tomber sur les rigolos là. Non ? Ah non, c'est bon. Ils ont plié bagages. Allez, on va faire le point. Je crois pas qu'on soit encore au niveau 20 du réseau pour tenter le platine au Colisée, mais comme je disais tout à l'heure, le Colisée, normalement, je devrais même pas pouvoir y retourner. D'ailleurs, est-ce qu'elle me le propose ? On va voir ça après. Au Stigle. Ah, c'est le bar. Ah, oui. Je sais pas si on peut la draguer ou finir avec. On se rapproche de plus en plus, mais est-ce que c'est une opportunité amoureuse pour la suite ? Je n'en ai pas la moindre idée. ネットワークの方は順調なのか?そりゃもう上流も大活躍やしね。評判を聞きつけた新規のお客さんがひっきりなし。お力になれて何よりだ。ただその割には浮かない顔をしてるな。え、そう?そんなことないやろ。 Je vais faire remarquer que je fais attention à elle et que je l'observe. Elle maintient une distance quand même pour le moment, assez clair. どうせ上流が心配しすぎるから、なんかハードル上がってるけど、ほんまに大したことないんや。そうなのか?前に上流聞いたやろ。アカメネットワークなんか作って何がしたいんかって。ああ。うちな、ほんまは歌手になりたかったんや。歌手に?それがネットワークと関係あるのか? Ah, c'est vrai que je peux chanter au karaoké avec elle maintenant. Oh, j'espère qu'on va pas me demander ça là. もう何年前になるやろ。うちは裏社会とは何も関係ない。ただの田舎もんやった。歌手を目指して蒼天堀に来て、バイトしながら路上で弾き語りしてた。ネットに動画上げて、CDも手売りしてな。そうだったのか。 いつか誰かがうちを見つけてくれると信じてやっとったけど、誰も見向きもしてくれんかった。芸事で成功するには巡り合わせも必要だからな。フォローを機に。でもある時ホームレスのおっちゃんが一人うちのこと見かねて、やっと CD 1枚買うてくれたんや。お仲間も連れてきてくれて、冗談半分で。
Akabe-chan wa washi da ga uri dashitaru nante yute ne. Ki no ii yasura ja ne ka. Zutto samishikatta kara. Son toki wa omowazu naite mouta wa. Sore kara ya na. Ano hito ra to tsunagari ga dekitan wa. Uchi wa baito saki de deta haiki suru obento wo kossori wakete agete, homeless no hito tachi wa uchi no senden wo shite kurete. そういうささやかなやりとりが積み重なっていくうちに今の赤目ネットワークが出来上がったんや。そういう経緯があったのか。じゃあ赤目ネットワークってのはもともとあんたのファンクラブだったってわけか。そうとも言えるかな。ネットワークのみんなのおかげで一時期順調に CD が売れ出してな、蒼天堀で結構名が知られるようになったんや。ほう。そしたらとあるホテルグループの偉いおっちゃんがうちの歌に惚れた言うてくれて、新しく建てるホテルのステージをうちに任せたいってオファーをくれたんや。順調に話が進んでるように聞こえるが、何か問題でも起きたのか。はあ、そういうこと。そのおっちゃんのグループ会社にはいつの間にか妙な会社が紛れ込んどったんや。それが近江連合のフロントと気づいた時にはもう後の祭り。好き勝手しゃぶり尽くされてグループは崩壊しとった。当然うちのステージの話もおじゃんってわけや。そんなことがあったのか。なら近江には心中穏やかじゃないだろう。キャッスルの仲介役なんてよく引き受けてるな。しゃあないわ。この町で近江に睨まれたら誰も生きていかれへん。持ちつ持たれつの関係に持ち込めただけでラッキーや。仲間を守るためか。あんたは立派だな。生き残るのに必死やっただけやって。ちなみにな、さっき言ったホテルがもし予定通りちゃんと完成してたら金ピカの大阪城になるはずやったんや。どっかで見たことない？まさかキャッスルのあの城は。そのまさか。おっちゃんの作ってたホテルがいつの間にか船の上に鎮座しとった。ほんま人をバカにすんのもええ加減にせえって思うわ。うちの夢の舞台になるはずやったもん。まあそれがケチのつき始めで、だんだんうちの歌手としての人気も落ち始めて、逆にネットワークの方はどんどん大きくなっていった。そんでいつの間にか歌手の夢はどっかに行ってしもた。まあうちにはこっちが天職やったってことやね。青臭い夢を抱いてた時もあったっちゅうお話でした。笑わんといてよ。Il n'est pas trop tard. Ce qu'elle fait maintenant et le pouvoir que ça lui donne, est-ce que chanteuse, c'est encore même un de ses rêves? Il montre des signes de croissance. On parle de quoi là? De son réseau actuel? そういうこと。青臭い夢からはもう卒業したんや。今のうちは赤目ネットワークのボスや。ならその顔はここでだけにしておけ。部下に見せちゃ式に関わる。そんな情けない顔してる。ああそう見えるな。まだ大人になれてへんのかもね、うち。
Je sais pas où ça va nous mener. On verra bien. Nariyuki mo atta to wa ie Akame network wa ima no anta ni totte taisetsu na mon datte koto wa wakaru. Elle est longue la cutscene, hein, la vache. Yokubatte shimaeba in janai ka? Yokubaru? Nakama mo mamoru shi yume mo ou. Anta kurai dekiru onna nara できないことじゃないだろう。上流。これまでの苦労も知らんで、勝って言うてくれるわ。他人の特権だ。でも、お気にね。やっぱり上流と話してると、少しだけやけど気が晴れるわ。そりゃ何よりだ。本当に少しやけどね。手厳しいな。ちょっと湿っぽくなってもうたからな。さ、気を取り直して飲み直すで。お手柔らかにな。Notre amitié avec Akame est suffisante pour jouer au Pocket Circuit avec elle. Ah ouais, alors, le jeu de petite voiture là, J'ai même pas commencé à regarder, à trouver les pièces, etc. Ça peut sûrement nous mener à quelque chose d'amitié amoureuse, etc. Ça devrait être assez logique. Passer le réseau au niveau 16. On n'est pas au niveau 20 encore. Là, c'est le gros ventre mou du jeu. Alors, pas mou dans le sens où il y a énormément de choses à faire. Mais grosso modo, toutes les quêtes annexes, toutes les activités secondaires... tout ce qu'on aura plus le temps de faire après, il faut le caser maintenant. Donc, avant d'avancer l'histoire principale, sinon après, à mon avis, ça va s'enchaîner. Et il n'y aura plus d'autre temps de pause. Donc il faut faire ça maintenant. Allez, on continue. Donc vous voyez, on ne peut plus retourner évidemment au Colisée. Donc il faut qu'on fasse des jobs. Déjà les 3 millions, ça serait pas mal. La boutique, est-ce qu'on a des nouveautés? Eh oui, le masque de dragon, c'était moins 580, mais en vert. Qu'est-ce que ça m'énerve? Qu'est-ce que ça m'énerve, ça? Oh la vache. Ça, il faudrait j'en ai déjà, il faudrait que je les vende. Non, c'est pas très intéressant. Alors, qu'est-ce qui rapporte beaucoup là? Il y a un truc, un 500 à 500 000 yens. 1 million. Attrape-les toutes. Un million d'yens. Ah mais ça va être un job assez long probablement. En même temps, ça serait pas mal un million d'yens. Je sais pas. On va apprendre les conseils. Ça a l'air plus. C'est parti. Jolieu. Donner des conseils à des gamins. Ok. C'est ya né. Sore ja, tanomu wa. C'est parti. Direction le Smile Burger. Alors où est-ce que c'est ce machin? Le Smile Burger, c'est là. On va se mettre une petite croix et c'est parti. Bon les mecs, on va se les faire.
Réviser les shops. Révisons les shops. Ah bah voilà. Voilà un véhicule qui sert à quelque chose pour une fois. Très bien. Allez. Bon, Akame, je vais essayer de la draguer. Faudra que j'achète un petit cadeau pour elle. D'y avoir des missions secondaires par la même occasion. Un tout petit peu costaud, rien d'embêtant. Ça fera toujours un truc supplémentaire. Alors, où ils sont les mômes? L'autre il cherche à son fils, d'accord. Et là. Encore un problème du même genre, du racket. Yens, ça va. Vieil homme, tout bon le traite de Yov. C'est pénible quand même. Allez, je suis dans ma phase de roue là. Excellent. Ça, c'est 100 000 yens vite gagné. Là. Voilà, j'ai les 3 millions. Ah, eh ben, on va s'arrêter. Enfin, on va s'arrêter, non, mais... Je vais donc pouvoir acheter le troisième emplacement. Ça va faire mal au portefeuille, mais ça change tout. Déjà dans l'inventaire, on va prendre un truc pour surcharger. Et pour l'équipement, on va donc rajouter maintenant
Voilà, grosse défense supplémentaire. Là, c'est grosse attaque, mais ça va pas. C'est pas exactement. Ouais. Défense générale 160 et défense contre les balles, ça devient de plus en plus urgent. Donc pour l'instant, je vais mettre celui-ci en plus. Là. On n'a pas progressé en attaque, mais l'attaque, ça m'a l'air plutôt pas mal pour l'instant. Avant de pouvoir acheter autre chose de mieux, là, je crois que niveau défense, on a fait un petit progrès. J'en profite pour sauvegarder. Et voilà, on peut continuer. Quel est le problème? Ah, c'est bon. Ouais, c'est bien là. Alors... Yoroshiku tanım. Yoroshiku. Ano. Ne. Il veut plus mes conseils pour draguer. Ah, j'espère que c'est pas encore la fille de tout à l'heure. Hey. C'est pas ChatGPT, c'est ChatDDT. Tester l'intelligence artificielle. So. Qu'est-ce que Chat DDT exactement? Ils ne sont pas exacts à 100%. Yo. Il faut qu'Irio se mette à la page, là. Nani. Hey. Je crois qu'on est tombé sur une mission comique. Dis-moi, quelles sont les faiblesses d'Anawa ? Dis-moi le secret de la popularité de Kazuma Kiryu. J'ai bien envie de poser cette question-là, moi, plutôt. Le mot m'y connaît pas. Oh. Oh la honte! Kazuma Kiryu est un chef italien qui possède un restaurant dans la préfecture de Saitama. Hein? Quoi? Ah ouais, je suis sûr que ChatGPT en sache beaucoup sur les Yakuza. Ah, il y a une chaîne vidéo en plus, le chef. Nani? そう。
何？J'ai rendez-vous avec la fille que j'aime bien, comment je dois me préparer? Soignez votre hygiène, abordez des sujets de conversation qui vous plairont à tous les deux, soyez polis et valorisez vos meilleurs atouts. C'est pas bête. Hein? Yeah. Ah, quoi? Vous pourriez essayer de sauter d'un pont. Bah oui, plutôt même, oui. Et c'est ça que tu vas faire, Kusano. Nani. Ah oui, et puis... Ouais. Ah, le gamin, il est déterminé, hein. Il est déter. Il a pas payé, alors quand il aura payé, il fera ce qu'il veut, mais là... Alors, où est-ce qu'il est, ce petit con? Il est là, très bien. Il court vite, hein. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Foutez le camp. Il est où? Il est où? Je l'ai perdu de vue. Oh putain, je m'en trouvais. Pourquoi je suis descendu? S'il veut sauter d'un pont, il faut qu'il soit sur le pont. Vraiment trop bête. Hein. Je voulais tellement les semer que résultat, j'ai pas fait attention. Tu vas arrêter tes conneries. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, ce petit con? Il est là. Ça suffit. Rentre chez toi. Ouais. J'ai pesé le pour et le contre. Tu vas te faire mal. Ouais. Il va falloir que Kiryu joue l'agresseur, le faux agresseur, c'est ça. Un tel étalage d'affection et de violence contrôlée fera écho aux idéaux romantiques souvent véhiculés dans les médias classiques. Comme dans le manga, oui. Oh punaise. Où est-ce qu'il est maintenant? Kusano, petit con, reviens là.
ne va pas te mettre dans je ne sais pas quel. Ah bah ouais, carrément, il va se fêter avec un Yakuza. Hein? Voyou violent. Ah? Hein? Ah bah voilà. Oi. Hein? L'opportunité, c'est un peu dommage. Par contre, c'est pas cool qu'il se retourne comme ça. C'est bon. Pas devenir des Souls-like les Yakuza maintenant, c'est bon. On va pas perdre son temps à danser autour de l'adversaire pour lui mettre un ou deux petits coups de temps en temps là, ça va, c'est bon. C'est un beat vémo là, ça c'est bon. Allez. Il est têtu, hein. Yeah. Pénible. Alors, que propose le chat ? J'ai tellement hâte d'être à notre rendez-vous que mon cœur bat à miaouil à l'heure. Je m'en frotte déjà les moustaches, non, sérieusement. Direct à la poubelle, tu m'étonnes. Trop tard, c'est envoyé. Mais il est vrai. Il est vraiment bête. Fais-toi jeter, et comme ça, tu comprendras. Elle a répondu. Ah bon, ça lui a plu. Nani. Ça lui a plu. Je suis charmé de voir ton message. L'idée de cuisiner à deux me semble miaour merveilleuse. Alors. Ah ouais, nous les vieux de la vieille école, eh ben, on n'a plus qu'à prendre notre retraite. Hein. Comment ça plus tard? Non, non, maintenant, maintenant la thune, maintenant. Faisons-nous une raison. Ah, suivre Kusano. On va aller voir... On va aller voir comment il s'en sort. On va aller les pieds un petit peu. Oh, d'ici que ce soit la meuf de tout à l'heure, là, celle de l'hôtel.
il lui tendait un piège. Et donc elle lui a répondu ça. Ils sont là. Je vais les observer discrètement ou pas? Non. C'est pas elle. Oh, elle l'utilisait également. Et comme elle ne s'attendait pas à une déclaration d'amour, elle n'a rien préparé en retour. parce qu'elle n'a pas plus de répartie que lui, très probablement. C'est insoutenable. C'est insoutenable, c'est vrai. Ouais. Pas maintenant. Un voyou a interrompu mon rendez-vous. Comment dois-je m'en occuper? Oui. Est-ce qu'il faut que je me laisse battre alors? Pour lui arranger son coup. Battre Kusano. Je vais me laisser taper un peu quand même. Pour qu'il ait le beau rôle. On va rigoler, on va faire durer un peu le... On va faire un peu durer un peu le combat. Ça n'a sûrement aucun intérêt, mais... On va voir s'il y a une cutscene. J'ai fait traîner, gamin.
そう。Elle l'a fait elle aussi. C'est bien ça. Ils sont mimi. Il y a des quêtes particulièrement soit intéressantes, soit rigolotes, soit sympas, avec beaucoup de malice dans celui-là. Pas toujours le cas, elles sont pas toujours aussi fines, elles sont pas toujours aussi marrantes. On dirait que c'est plus dans la veine de ce que Judgment propose plutôt que les Yakuza classiques. Je pense que les auteurs qui ont dû changer un peu de ton sur les Judgment, et qui d'ailleurs ont fait un crossover là, puisqu'il y a des personnages de Judgment qui est intervenu dans ce jeu là, je pense que c'est une bonne évolution. Pour la série Yakuza, c'est plus fin. C'est plus littérature, hein, bien sûr, mais c'est plus intéressant, plus drôle au niveau des quêtes, mais pas aussi lourd que ça pouvait l'être parfois. Espérons que ça se confirme. J'ai un peu peur avec le Yakuza 8. Il a l'air d'être un peu farceur encore, mais on verra ça. Allez, direction un petit resto. Beaucoup de réflexions sur son passé, hein. Que ce soit ses maîtres, ses ennemis ou les gens qui ont compté pour lui. Il y pense régulièrement, il fait beaucoup de réflexions sur eux et fait un petit peu le bilan. Et, voilà. C'est la maturité. La maturité de qui. Sympa aussi, ça le rend. $500,000 qui viennent de rentrer. Ça, c'est bien. Bon, il y a une petite boutique pas loin. Ah, alors déjà, il y a une quête. Qu'est-ce qu'il vous faut, madame ? Des boucles d'oreilles Starcrossed. C'est ce que j'avais offert. Ah, je les avais prises tout à l'heure. Justement, je voulais retourner dans un magasin. Voir un petit peu ce qu'ils ont à vendre. Si je peux améliorer mon attaque et ma défense. Oh bah c'est là où il y a les brochettes peut-être. Oh,
Y a quelqu'un qui en veut? Ouais, bon. Je crois qu'il y en a un comme ça. Je vais en prendre un de chaque. Ah, c'est des stands. C'est des stands, des tout petits stands à emporter. C'est pour ça que j'ai trop froid. Donc, à mon avis, les brochettes, c'est dans un autre comme ça. Ah. Bon, il me faudrait un vrai magasin. Un vrai magasin qui me permette de vendre un petit peu du surplus. Je crois que c'est cette boutique-là. On va y aller. Bon, on a bien avancé. Parce que je vais aller faire une petite pause pour me faire un petit café dans pas longtemps. Sur qui je vais tomber? Une bande de ma... Ah non, c'est bon. C'est bon. Je vais juste attendre qu'il soit un petit peu passé. Là. Et on va aller dans le magasin. Très bien. Ah, c'est ça. Le prêteur sur gage, je pourrais trouver des bons trucs. Alors d'abord, on va vendre ça. 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 Ouais, j'ai plus les boucles d'oreilles. Ça, c'est dommage. L'anneau sanglant qui fait moins. Moins 760 là. Ouais, je vais peut-être le garder quand même. Je pourrais avoir besoin d'utiliser une force à coups. Alors. Non, c'est trop faible. Les boucles d'oreilles. Ah bah c'est pas ça. C'était un autre modèle que j'avais acheté. Mince. Peut-être que j'ai donné le seul modèle. Arigatou gozaimashita. C'est contrariant. Bon, c'est pas grave. Donc, on va retourner chez la copine pour une nouvelle mission. Peut-être celle à 1 million, qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous ferait du bien, une belle mission à 1 million. Tu veux quoi, toi? C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Une barre aux haricots. Ça rapporte quelques points. C'est pas terrible, mais... On va garder... Ah, je pourrais me contenter de les suivre, là. Il y a encore des gens qui ont besoin de trucs, mais... Ce gars-là. C'est toi. Tu voulais quoi, toi? Ah, mince. J'ai oublié d'aller racheter... J'ai oublié d'aller racheter le bento de luxe. Enfin, d'ailleurs, ça me fait penser que... Oh oh! Encore des gens qui cherchent des ennuis. Ça
ça va être vite réglé. Oula. Ouh, on a un effet dans la tronche là. Et voilà. On va en profiter pour refaire le plein de 2-3 trucs, mais c'est pas la supérette que je cherchais. Des hooligans. 80 000 yens. Pas mal du tout. On cherche à arriver aux 2,5 millions là. Et on va lui racheter quand même. Des trucs simples. Je ne peux pas. C'est pas le bon bento. On verra plus tard ceux qui ont encore besoin de quelque chose. Ça. Désolé, je vais aller me faire un café là. D'abord, on va aller accepter la nouvelle mission. Ça me paraît pas mal. Voilà cette partie 5. C'est une partie qui sera de transition. On va essayer de progresser le plus possible. Puisqu'on ne peut rien faire d'autre. J'ai pas de cadeau à lui offrir. Ok. La boutique, est-ce qu'on a des choses nouvelles ? Ça peut s'acheter pour peu de points et se revendre très cher ailleurs, mais c'est quoi que j'ai moi installé en troisième position? Gilet pare-balles militaire. Parce que si j'en avais un deuxième. Ça améliorerait. Celui-là, il est mieux que l'autre. Donc elle en vend un. Jolieu. On a le droit d'en avoir jusqu'à 10. Donc. Je vais l'acheter. points. Alors, est-ce qu'il y a bien des plus ? C'est bon. Que je refasse pas la même bêtise une deuxième fois. Alors là, on va virer celui-ci. Et on va mettre l'autre. Oh non, on peut pas. Oh, mais les gars, les gars. Les gars. Oh, j'en peux plus là. Attendez. Mes stats de défense se sont améliorés, non ou pas? Parce que quel est l'intérêt d'en avoir plusieurs sinon? Les revendre?
Ou est-ce qu'ils se cumulent? Ils se cumulent pour améliorer leurs effets. Ah, je commence à me demander là. Attendez. On va tester un truc. Si je le remplace par ça. Oh, c'est pas sûr. Parce que là, si je remplace par ça, on perd assez peu de choses. Pour vérifier, il faudrait que je rachète un deuxième, enfin un troisième, mais je vais perdre tous mes points pratiquement dans ce cas-là, donc non, ça ne m'arrange pas. À quoi ça sert d'en avoir autant alors? À part pour éventuellement, ouais, je disais, les revendre. Pourquoi c'est comptabilisé ici que j'en ai 2 sur 10 et que tout est limité à 10? Il doit y avoir une raison pour laquelle tout est limité. Je ne saisis pas. Là, il y a un truc que je saisis pas. Bon, et bref. Joryu. On verra. Dore ni suran? Alors, celle à 1 million. C'est pas... Attrapez-les toutes, j'ai peur. J'ai peur de ce qu'il faut faire. Quelqu'un a besoin de boules. Des boules en or massif. Très précieuses. Un collectionneur. Bon, c'est les boules, apparemment. 7 boules. Anna. Donc... C'est un expert reconnu en la matière, en matière de boules. Très bien. 7 de ces boules, il promet d'exaucer un seul et unique. Moi j'y crois. Salut Wigas, ça va? Wigas, j'espère que tu vas bien. C'est marqué hein, sur la vidéo, c'est pas un live, hein, puisque c'est une vidéo programmée. Et merci en tout cas, et puis pour le reste, ben, c'est en fonction de l'organisation, du temps que j'ai. Je ne peux rien dire d'autre pour l'instant. Mais en tout cas, j'espère que ça va de ton côté. Merci d'être passé, si tu es encore dans les parages. J'alterne un petit peu, hein, le temps qu'il y ait des vues... sur certaines vidéos, que certaines vidéos, certains lives restent mis en avant, le temps d'avoir plus de vues. Parce que le Game of Thrones, ça a été un bide monumental hein, pour l'instant, donc moi je veux bien continuer, mais c'est pas la priorité. Par rapport aux autres qui marchent mieux. Alors... Est-ce qu'on va nous aider à trouver ces bouboules ou pas? Est-ce qu'elles vont apparaître sur la carte ou pas? On va le savoir tout de suite. Naturellement, ça aurait été trop simple. Ils en vendaient pas. Comment ça, il y a une. Ah oui, c'est sa boutique à elle, d'accord. Attendez. Ça, c'est l'atelier de machin. On va retourner voir Popo, si j'ose dire. L'antiquaire, il vendait pas une boule? On y va. Oh, ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu, je vais rester derrière eux. Ça va, c'est bon. C'est assez vu, les mecs. Hein. Voilà. Moi, pendant
pendant ce temps-là. Je vais là. Bon, c'est pas toi qui vendais une boule en or, hein, à mon avis. Hein. On va quand même vérifier. Non. On n'a pas beaucoup de boules en or dans des supérettes 7-Eleven. Alors par contre, l'autre, c'est cette boutique-là. いらっしゃいませ。あれ、いらっしゃいませ。お、putain、c'est cher。Mais、les 7 c'est pour 1 million donc、voilà。Pénible, gars. Arigato gozaimasu. Je sais pas où sont les autres. Hein. Aucune idée d'où elles pourraient être. Bon, il fallait que je repasse à une supérette là-haut. Ici. Voilà, c'est celle-là. Alors, c'est celle-là ou c'est l'autre? Ça, c'est un popo. Et ça, c'en est encore une autre. Alors, on va aller dans les deux. Comme ça, ça sera fait. Allez-vous. Faut qu'on avance parce que quand ça sera fini, il reste quelques heures, on va débloquer la démo de Yakuza 8. Le mini-jeu avec la station balnéaire. On va se marrer parce que ça va être complètement loufoque. What? C'est bon. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui veut quelque chose. Merci. On sait jamais. Un garçon avec des vêtements verts. Ok. Alors. La première supérette, elle est là. J'adore faire tomber les vélos. Et puis j'ai racheté des soins aussi. Il a chien, ma sœur. C'est toi qui as un bento. C'est toi qui as un bento intéressant, je crois. Voilà. Le bento de luxe. Très bien. Par contre, c'est tout. Okay. Alors, c'est quoi l'autre magasin là? Ah. Non, c'est pas là. C'est un autre stand à emporter. Oh zut. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de racaille dans ces rues? Et voilà. Vite fait, bien fait. Bon, il est où ce second magasin là? Ah bah c'est bien toi. Alors, voilà, les voilà. Donc, il nous faut les takoyaki surprise. Je crois qu'il nous en faut une comme ça aussi. Ah, on verra. Merci.
Voilà, c'est là qu'elles étaient planquées. Super. Maintenant, on va aller à la pharma. Normalement, ils m'ont pas repéré. Bon bah les bouboules, je suis pas prêt de les avoir trouvées hein, parce que je sais pas du tout où elles sont. Par contre, il y a plein de mecs qui veulent des trucs. Comme celui-là, il est en train de se faire embêter justement. Oh, il est costaud celui-là. On pourrait choper un truc là. Je vais choper un objet, mais j'y arrive pas. Ah lui, il a l'air costaud, lui, là. Comment ça se fait que t'es aussi costaud, toi? Allez hop, vidé. Niveau 14, alors, je suis pas au niveau 20 encore, mais ça tombe bien. Comme ça, je n'ai pas besoin de retourner au Colisée pour l'instant. On va les vider. On va les vider là. Ah, les lights, c'est vraiment là. C'est vraiment la dernière chance. Hein. Ah oui, la peluche. J'ai pas envie d'attraper la peluche maintenant. Les médocs. On va s'occuper de ça. Et là, c'est moi. Ça, j'en avais plus. Ouais. Ça déjà. Alors, où sont les autres boules? Alors là, vraiment, j'en ai aucune idée. Il faudrait que j'aille chercher une autre. Il faut que je prenne une autre mission, hein, parce que là, les 7 boules, je m'en fous, quoi. Allez. On va aller prendre le taxi.
ça va me faire gagner du temps là. Alors après, c'est pause café obligatoire. Là, je vais pas passer mon temps sur les bouboules. J'espère qu'on peut prendre plusieurs missions en même temps. Non, il faut que j'arrive à 2000, à 2 millions. Jōryū. Dore ni suru? Joue autre chose là. Recherche d'un assistant de tournage. Ça, ça peut être drôle. Celle-là, bah oui, mais bon, voilà. Le samouraï doré rapporte 500 000. Les autres, pour l'instant, ne sont pas connus. Ça, c'est ce que j'ai fait, ça, c'est ça. Ah oui. Celle-là, c'est celle que j'ai réussi. 500 000 ou 300 000 sur un truc rigolo. Recherche d'un assistant de tournage. Allez, on se la prend. Direct. On va rigoler. Jōryū. Honmani? Encore des fantômes. Un petit tournage. Très bien. Le cinéma, c'est fait pour moi. Au premier étage du Smile Burger. Ok. Tanomoa. Eh ben écoute, ma petite, pas de soucis. Une nouvelle quête, mais cette nouvelle quête, elle va attendre mon café. On va la localiser. Voilà. Direct. On va se mettre en attente. Il peut rien nous arriver ici, normalement. Et je vous dis à tout de suite pour ceux qui seront encore là, qui passeront après. Là, c'est la pause. 4 minutes, hein, à peu près.
Le micro, à peu près où il faut. J'ai été un petit peu bête lorsque j'étais au Colisée et que je pouvais faire autant de combats que je voulais. J'ai été bête de ne pas faire plus de combats pour mettre de côté une grosse somme. Parce que là maintenant, comme je me suis frité au Colisée la dernière fois, je n'ai plus le droit d'y retourner pour le moment. Et donc, je ne peux plus faire d'argent facile en me battant et en remportant d'autres défis, etc. Donc en fait, voilà quoi. J'ai raté une occasion intéressante et importante de me faire un petit magot et un petit matelas. Pardon. En or. Bon voilà, allez, hop, c'est parti. On y va. Ça sera sûrement la dernière, parce que c'est assez long. Ça sera sûrement la dernière grosse quête d'aujourd'hui. On verra. Eh dis donc toi, c'est pas toi le gamin en vert ? Mince. Où est-ce qu'elle est ? Attendez. Parce que ça se voit sur la carte. C'était pas elle qui était là ? Oh, dur. Ouais, parce que je suis passé par là. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va remonter, qu'on va se taper tout le truc. Bien. Sûrement une de celles qui était tout en haut. Donc, on va pas s'arrêter là pour l'instant, même si c'est notre rendez-vous. On va aller voir. Que veut cette personne ? Une figurine de Michio. Ah non, j'en ai pas, non. J'ai pas de figurine de Michio. N'êtes pas là, madame. Qu'est-ce qu'elle veut, elle aussi ? Mais qu'est-ce qu'il y a des gens ? Ils veulent tous quelque chose. Ah, le pocket circuit, les petites voitures là. Alors là, pour l'instant, je m'y suis pas du tout intéressé. Ouais. J'ai pas le temps. Ça, on verra la prochaine fois. T'essaierais pas de me taser, toi ? T'es un petit gros plein de soupe, toi ? Retourne-toi plus vite, s'il te plaît. Et voilà. J'ai quand même essayé de retrouver la mère de l'autre, là. J'étais dans ce coin-là. On va se retaper tous les points d'exclamation. Qu'est-ce qu'ils veulent eux ? Ah bah c'est bon ! Voilà. C'était la mère qui était perdue. Ok, ouais, bon allez, 25 000 balles. C'était pas terrible. Ça n'a pas varié depuis le premier Yakuza sur PS2. À tous les coins de rue, ou presque, t'as des groupes comme ça qui t'attendent. Ah d'accord, ok.
Excusez-moi. Il s'est passé un truc bizarre. Mais... Ah oui, mais il y a quelqu'un qui me tire dessus en fait. Avec un shotgun. Eh ben, je vais le passer en premier, fallait le dire. Fallait le dire que t'étais pressé. Ben voilà, tout de suite. Ça se passe mieux. Katana, vas-y. Fais-toi plaisir. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui m'envoie valdinguer comme ça? Bah, j'ai vite trouvé. Bah, monsieur, une horloge luxueuse qu'on vend à Osaka. Des montres, j'en ai vu, mais des horloges, je n'en ai pas. Bon, allez, suite de l'histoire. Le Smile Burger, il est là. Elle a dit que c'était au premier étage. On va donc aller trouver ce gars du cinéma. Qui a une coupe particulière. Ah oui. Eh oui. La future coiffure, d'après ce qu'on a compris hier soir et cette nuit, de professeur Thiel. Ah. On a la musique des quêtes rigolotes, donc elle en voit. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un streamer. Des streams culinaires un peu dégueux. Il m'étonne. Ça, ça. Alors, un nouveau concept, tiens, ça peut nous intéresser. Les maisons du meurtre. Ah non, il y a déjà trop de gens sur le créneau là, non? Internet. Ça, ça. Nani. D'accord, on a compris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans un de ces lieux, c'est ça ? On peut rigoler, on peut rigoler. Il faut que je fasse le fantôme, c'est ça? Il faut que je fasse le crétin? Pour faire des fausses... Des fausses vidéos paranormales. Comme toutes ces chaînes de merde, là. Ils vont nous parler de djinn, sûrement. Alors... Convaincre les fantômes de se montrer. Bah, ça rapporte plus de vues, oui, ça toujours, une femme de toute façon. Bon. Eh ben, encore une quête marrante. Parfait.
Sadako, sors de l'évier. Allons-y. Sors de la télé. On veut des fantômes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet appart? Un horrible meurtre a été commis. Ouais. C'était il y a un an dans ces eaux-là. D'accord, un meurtre. Ah, l'écriture est vraiment particulièrement drôle hein, sur celui-là. D'accord, donc belle mise en scène. Ah ouais, le mec il croit à ses conneries en plus. Ok. Streamer célèbre, oui. Super. Donc, le lavabo, la baignoire. Et le frigo, magnifique. Allez, faisons un petit peu de fric avec, avec l'effet tragique. Allons-y. Allez, est-ce qu'on va filmer un événement surnaturel? Un petit bout d'ombre, un petit peu de vent. Je sais pas trop comment je vais faire ça, mais c'est une utilisation utile de son smartphone, un peu différente de d'habitude. On l'a, quelqu'un, il y avait une, peut-être une enquête de Judgment qui utilisait le smartphone comme ça, mais comme je ne les ai pas finis, les deux jeux, je suis un petit peu en retard sur tout ça. Le premier, je suis au milieu, et le deuxième, je n'ai pas commencé. Est-ce que j'ai un truc à faire au niveau gameplay? L'angle de caméra, il est gothi, là. Nani.
des rats dans les murs. Bon, là c'est rigolo, mais on ne fait rien en fait. On attend que ça passe. Alors, le réfrigérateur maintenant. Baignoire. Un film. Il rappelle quelque chose de particulier. Ah. Là, il faut que je fasse quelque chose. Oh. Non. Ouais. Non. Ah oui, c'est pas pareil. On m'a rien demandé de faire, donc je pense que j'ai rien à faire. Bah, il reste plus que le frigo maintenant, non? Encore l'évier? Oh oh! Nani. Pour le paranormal. Comment ça va se finir? Pas son vrai nom. Serait-ce le meurtre? Oh, c'est le meurtrier qu'on n'a jamais retrouvé, qui est revenu sur les lieux de son crime et qui cherche à récidiver. Et c'est pour ça qu'il voulait une jeune femme. Rebondissement. Ouais. On va capturer le meurtrier.
C'était un homme ? Ah, je crois que c'était une femme. Ça. Ah. C'est pas grave. Faut créer du contenu. Ça. Yeah. Hein? Ça. Eh ben, il m'a pas menacé longtemps, là. Mes projets, mes rêves. Pas toi, pas comme ça, pas maintenant. Yeah. Allez, en tôle. La fin d'une courte carrière. L'esprit de la personne assassinée qui remercie Kiryu de son aide. Et ben voilà, pas mal du tout cette affaire. $2 millions. Alors, le boost santé. Ah bah, on peut se l'offrir. Le boost santé. 2,5 millions. Ouais, le boost santé. Je vais le prendre. Il faut que j'avance. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, ça c'est bon. 1. Alors, c'est quoi ça? Ses aptitudes facilitent la vie. Mais non. Ici je suis au max. Contre ultime, ouais. Mais j'arrive jamais à le faire, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Les objets, les gadgets, je les utilise pas. Et puis on a quelques combos ici, mais on a rarement l'occasion de vraiment les placer. Donc voilà, le reste, j'économise pour le moment. Alors, quelle heure est-il? Parce que avec tout ça, je pense que je vais arrêter vers 16h30. Je prends une petite gorgée de café, je réfléchis. Qu'est-ce que j'aurai le temps de faire? Alors, quelques petites missions très courtes. Peut-être. Le Colisée, normalement, je peux pas y aller, mais là, il apparaît, donc... Ah bah si, je peux...
Je peux le faire. Je peux le faire en dehors. Ah bon, on va aller sur une petite baston en équipe alors. Alors. Bah écoutez, on va aller sur la première d'argent. Ah oui, mais non. Non, on ne peut pas le faire. C'est juste le rappel de ce qu'on a déjà fait. Quand je dis que je regrette de ne pas avoir essayé. Celle en argent déjà. Après il y a celle en or. Celle en platine. On ne peut plus y aller. C'est dommage. Bon, il y a encore des gens qui veulent des trucs là. Ah oui. Ça on a déjà vu. Tabac. Quel intérêt. C'est quoi l'autre boutique là? Le Starbucks, la boutique? J'ai du mal à... Bah non, il n'y a que la... Il n'y a que la vieille ici en fait. Lui, je vais pouvoir enfin aller lui donner son bento de luxe. Ça, il disparaîtra de ma carte. $800. Pas terrible, terrible, mais... Il m'aura pas. Non, 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 non. Tu m'auras pas. Vous savez même pas où je suis allé. Bon, quelle sera la suivante? Quelle sera la mission suivante? On va déjà décider et puis peut-être la commencer puisqu'on a un peu de temps. Pas de cadeau. Le samouraï doré, ça a l'air sympa ça. Allez hop, c'est parti. Kumoni? Anna? Ça va être un adversaire assez costaud. Donc déjà, on va sauvegarder. Et puis on verra bien. Je pense être plutôt fort là, mais... Peut-être pas assez. Hein. Est-ce qu'on a des recherches à faire particulièrement? Non. Eh ben, on tombera dessus quand on tombera dessus. On va refaire le tour des points d'exclamation pour voir à qui on peut apporter quelque chose maintenant. Le shogi, c'est passionnant.
j'ai pas le temps. Toi, tu voulais quoi ? Oui. Prendre photo d'un mec qui lui plaît, d'accord. Pourquoi pas. Près de la rivière, ouais, on verra ça. Ok, qui d'autre? Où est le... Où est la personne? Je rentre dans le magasin, c'est ça? C'est quelqu'un qui est là. C'est là que ça se passe. Récupérer mes 4 poules. Lui, il a perdu 4. Bah. D'accord, bah si t'as perdu tes poules, on va aller chercher tes poules. Hein. Très bien. Quand je dis qu'on pourrait faire un crossover entre Yakuza et Shenmue. Je m'en porte. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une salle de jeu? Ah ouais, c'est une salle de jeu. Je sais pas ce que c'est comme jeu, mais il y a un jeu là. Oh, est-ce qu'il y a des poules? Moi je cherche des poules. Je vois pas ce qu'elles feraient là, les poules, mais... C'est des jeux de dés, c'est quoi? Des planchettes. Convaincu. Bon bah les autres poules elles sont pas là. Elles sont ailleurs. Est-ce qu'il y aurait une poule là-haut? Dans les étages. Cherchons des poules. Une poule! Bon, ça fait 2 poules. 2 poules sur 4. On verra l'étage suivant après. Pas de poules. Pas de poules. On continue. D'ailleurs, ils en ont modélisé des trucs. Hein. Vache. Pas de poule. Une poule. Ah bon, on va terminer sur ce truc passionnant aujourd'hui. Chercheur de poules. Allez, au dernier étage, il y aura la dernière poule. Très bien. Je suppose.
Il y a des mecs qui sont en train de fêter Noël là. Et là-bas, il y a une poule, me semble-t-il. Ou c'est un ballon. Ah merde, non. C'est un ballon. Allez là-bas. Les gens, ils jouent au foot sur le toit. Et voilà. C'est bon, j'ai 4 poules maintenant. Il n'y avait que 4 poules, je crois. Et bien voilà. Petit ballon, petit sapin. Une bonne chose de faite. Bon, allez, on se barre. Je ne pensais pas faire cette quête. Mais puisqu'on avait le temps... C'était pas une quête fascinante, hein. On va dire ça comme on le pense. Bijoux. Ah, il y a l'enfoiré. Il est où celui-là? Eh ben viens. Ouais, je vais me soigner là. C'est un petit peu chaud quand même. Encore un taser. Voilà. Ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme point d'exclamation? Il y en a un ici. Ah, c'est le truc du billard. Oh, mais j'arrive pas à rentrer la boule dans le trou. Je peux pas. Ici, il y a sûrement encore quelqu'un qui... je crois que c'est le Mahjong ici, je suis pas totalement sûr, mais c'est un Mahjong. Ça, j'ai pas envie de me faire suivre avec ça. Il y en a que j'ai pas vu depuis un moment. Je me demande si certaines quêtes n'ont pas disparu. Quand on a avancé dans l'histoire. Tu veux quoi, toi? J'en ai. Et voilà. Ça rapportait vraiment pas grand chose. Niveau 15. C'est cool. Oh, ils m'ont vu. Punaise. Tu sais qu'il commence à faire suer toi. Oh ça va, la résistance c'est bon. Quoi,
Oh, j'en ai. Tiens, pour moi ça. Super. Ça, c'est réglé. Oh, ta zouille. Bon, celui-là, il commence à m'agacer. Pourquoi pas? Ah, je commence à fatiguer un peu. Tiens, il y en a un qui se fait emmerder. Ça, ça va être vite réglé. Allez hop, du pognon. Ah, je voulais choper la moto, mais j'ai pas eu le temps. Le feu à chaque fois, là, leur lance-flamme à la con, là, c'est ce qui me blesse le plus à chaque fois. Faudrait que j'ai un truc avec une bonne résistance feu aussi au cas où plus tard. Voilà. Je fais la tournée. Je fais la tournée des grands ducs. Qui veut quelque chose ? C'est bon, j'en avais. Oh, bah j'ai bien fait de faire un nouveau tour, hein, parce que ça se passe pas mal, là. Ça se passe pas mal. Alors ici, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de quelque chose? Alors elle veut un truc, je sais pas ce que c'est. J'ai pas trouvé. Elle, il faut pas avoir une photo. Ah bah tiens, on va retourner dans le pocket circuit. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. On va retourner voir cette affaire de course de petite voiture. Ça a l'air d'être un beau bordel. Alors, les enfants qui jouent. Voilà. Là, il y a des enfants qui jouent. Donc, on va prendre l'appareil photo. Ils ont l'air bien, voilà. Super. Oui, j'y vais, mais d'abord, allons voir le circuit. Zerator serait content. Voilà. Alors là-dessus, là vraiment, je ne me suis pas du tout intéressé à cette activité. D'aucune manière pour l'instant. Je vois qu'il y a des gens qui ont des choses à dire. C'est très bien. Mais ça, je le garderai éventuellement pour après. Quand j'aurai fini le jeu, quoi. Il n'y aura plus que les activités. Pareil pour le golf. Je n'ai pas été refaire du golf, etc. Là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ah, madame. Mais non, tout va bien. Les enfants jouent. L'atmosphère est bienveillante. Et
ben voilà, essayez madame. Ça vous plaira. Allez hop, encore de la thune. Fantastique. Ça monte pas beaucoup, mais ça monte un peu quand même. Ok. Et il n'y a plus qu'à faire le coin du haut. Et c'est bon. Ah oui, alors lui, non. Il y avait un truc à faire près du canal. Prendre la photo d'un mec à bord d'un bateau. Mais près de la rivière, il a dit. Mais où est-ce qu'on a un bateau avec un mec? Je sais pas trop, c'est censé être. Bon voilà. Là, qui c'est qui veut quoi? Pourquoi tu pleures, petit? Ah, un problème familial. Un clown? Si j'ai l'occasion de porter un maquillage de clown, je ferais bien de revenir ici. C'est quoi cette... C'est quoi cette quête? C'est quoi cette quête merdique? Allez, on va finir. On va finir par une connerie. Ça, j'en ai pas. Ah si. Oh, tiens. Prends ça. Ça c'est réglé. Et donc maintenant il n'y a plus que la gamine. Attends. Ah non, je croyais que j'étais au truc Sega. La gamine qui veut sa peluche Hello Kitty. Là. Il est plus là, le mec qui voulait la photo. Et toi tu veux quoi? Jamais trouvé. Et par contre, je crois que à un autre endroit, il y avait un gars qui voulait une photo aussi. Ouais. Là, c'est bloqué. Okay. Bon, ben là, on termine. C'est vraiment la. C'est vraiment la fin de la fin là, pour aujourd'hui en tout cas. Bon, on a progressé, on a fait plein de quêtes, on a dépensé notre argent dans des aptitudes. Voilà, ça a été vite réglé. Qui c'est qui veut quelque chose encore? On va aller voir. Alors déjà, il y a une valise. Je vais la piquer. Très cher. Ah bah encore un qui est content. Oh là, on a réglé beaucoup de quêtes, dont certaines qu'on n'avait pas réglées depuis très longtemps. Il y a encore quelqu'un qui veut quelque chose là. Oh putain!
Le samouraï. Le kappa. Le samouraï doré, il est là. Oh putain. Faut que je me soigne, mais je crois que je peux l'avoir. De toute façon... Oh putain, allez, allez. Oh putain, vite, vite. Je vais bientôt crever. Hein. Excuse-moi, mais t'es un petit peu nul pour un samouraï. Hein. Voilà. 500 000 balles en dernière minute. 500 000 balles. Par le plus grand des hasards. Parfait. Oh là là. Eh mais c'est la fête, hein, niveau 16 en plus. Bon, au niveau des millions, c'est pas exactement ça, mais... Alors lui, il veut Kappa, lui. Il veut Kappa, très bien. Kappa, moi, c'est pas mon truc. Alors, et toi, tu veux quoi? Après, on va rentrer. Un mot bizarre par terre. Quatre tortues forment les piliers de cette ville. Sous leurs yeux dort un orbe brillant. Ah bah je sais où elles sont les tortues. Menant à une sorte de trésor. Sous les yeux de quatre tortues dort un orbe brillant. C'est peut-être l'emplacement d'une autre boule d'or. Qui veut quelque chose là. Ah, c'est encore quelqu'un qui se fait emmerder. Allez. Ah, oh, et puis après, faut arrêter. Hein. C'est difficile d'arrêter quand on commence. Où est allé les mecs là, les... Et hop. Bon, ça c'est super. Alors, il faudra que je trouve les tortues. Alors, je ne sais plus exactement à quel endroit précisément elles sont. Mais je sais que je pourrais le retrouver sans trop de problèmes. Donc je vais sauvegarder là. Pour me souvenir, il faut que... Voilà, il y a de l'eau, les tortues, etc. Déjà 15h20 sur le jeu. Et voilà. Je passe une dernière fois par le live. Pour voir s'il y a du monde qui est passé. S'il y a une remarque anti. Et ensuite je vais rendre l'antenne pour cette cinquième partie. Cinquième partie. Avec Dragon Gaiden, qui décidément est bien sympathique. Ah bah le cadavre exquis était passé aussi. Désolé. Ah ça, il était passé à la PS5, je vais pouvoir jouer à Gotham Knight. Of course, what else? Et surtout, je vais pouvoir continuer Yakuza 7 en version PS5,
et l'extension de FF7 Rebirth. Et ben bravo, bravo, ce sont deux jeux extraordinaires, très généreux et très beaux, chacun dans son genre. Donc je te souhaite de t'amuser le plus possible. Bienvenue dans le monde merveilleux de la PS5, celle d'arcade. Pourquoi pas à suivre en tout cas. Et bien merci à Wigas et au cadavre exquis d'être passé sur le live à un moment. Là j'avoue que j'étais en mode tranquille, détente. En plus, comme je ne suis pas partenaire affilié à Twitch, je ne suis qu'en source, c'est-à-dire en 1080. C'est pour ça que je ne suis pas trop sur le live, à part de temps en temps. Tout simplement pour ne pas piquer de la bande passante. Vu que je stream de la Xbox S, c'est toujours un peu compliqué d'avoir un débit continu de qualité avec la Xbox S en live. Donc si en plus j'utilise un moniteur 1080 pour suivre les commentaires dans le chat, c'est encore pire. Donc c'est pour ça que j'y suis un petit peu moins. Donc, désolé messieurs si je ne vous ai pas répondu dans l'immédiat. C'est autant que je m'occupe de ces problèmes techniques. Eh bien, très très bonne soirée à vous, peut-être ce soir, sur les lives des uns et des autres, comme toujours. Merci d'être passé. Ah oui, et puis pour ceux qui voudront voir la petite vidéo spéciale Thanksgiving que j'ai mis en compte à rebours ce soir. Non, hein, ça a été enregistré en live, mais évidemment c'est une vidéo pré-enregistrée. J'y serai quand même évidemment pour répondre aux questions dans le chat si jamais. C'est quelque chose de très simple, de très rigolo, hein, voilà, juste un petit peu de fantaisie pour fêter Thanksgiving. Allez, je suis Gigot, à plus.